Cécile Dodin, bonjour. Vous êtes élue à Artonne-sur-Touée, chargée de l'enfance, et vous êtes en passe de créer une nouvelle association qui va s'appeler Dorémom. En quoi consiste cette association ? Eh bien, c'est pour subvenir aux besoins des parents qui ont des problèmes de garde en urgence. Vraiment, là, c'est pour traiter l'urgence. Alors, ça n'excède pas. Maman a besoin d'être hospitalisée. Voilà. Une hospitalisation, soit de la maman, soit de la personne qui garde. La sainte maternelle, par exemple, qui garde l'enfant et les parents n'ont plus personne pour garder. Une sorte de SOS garderie. Voilà, pour des enfants qui sont malades. Par exemple, les petits, eux, ont la sainte maternelle, mais le grand qui est en CM2, là, n'a rien. Les parents sont obligés d'aller au travail. Donc, où est-ce qu'on met cet enfant au moins 2 jours, quoi. Parce que ça n'excédera pas 2 jours. C'est pour permettre aux familles de prendre contact avec le relais de la sainte maternelle qui, elle, pourra pallier au manque de garde, soit par une assistante maternelle qui aura une place pour une semaine, ou alors le temps de faire venir une mamie qui habite à 200 km. Bref, un besoin dans l'urgence pour une durée limitée. Oui, alors ça, on est bien d'accord, c'est vraiment limité dans le temps. C'est pas pour faire de l'ombre aux professionnels de la petite enfance. Hein. C'est vraiment pour agir dans l'urgence. Voilà, agir dans l'urgence. Alors vous recherchez des bénévoles pour ça. Voilà, donc c'est un... comment dire, une aide tout à fait gratuite, dans le sens où ce sont des bénévoles qui viendront au domicile des familles. Ils auront juste à charge de rembourser les frais kilométriques du bénévole, c'est tout. Donc il y a une inscription, alors on voudrait que les familles s'inscrivent à l'avance, parce que bon voilà, pour essayer de prévoir. Donc là les assistantes maternelles vont avoir un petit travail à faire quand elles auront des contrats, en parler avec leurs parents pour qu'ils y aillent. L'assistante, l'animatrice du RAM aussi. Et les bénévoles, donc eux vont s'inscrire, il y a une charte, il y a... Alors justement, Madame Dodin, auprès de qui doit-on faire cette inscription ? Alors pour l'instant, c'est l'animatrice du RAM. Alors, Jessie Lévesque. Très bien, Madame Lévesque, on peut la joindre où ? À Turquan, à la mairie de Turquan. Vous appelez à la mairie de Turquan et on va vous... l'animatrice du RAM, Jessie Lévesque, et vous l'aurez. Donc on s'inscrit auprès de cette dame-là. Quelles sont les conditions pour pouvoir prétendre à être bénévole au sein de cette association ? Alors pour les bénévoles, on peut me contacter aussi. Je suis aussi le référent pour prendre contact, pour s'inscrire. On vous joint où, Cécile Dodin, à la mairie de... À la mairie d'Artane, ou carrément à mon domicile. Rappelez-nous le numéro de téléphone. De la mairie d'Artane, s'il vous plaît. Oui, alors 02 41 52 91 91. Et donc les critères de sélection ? Alors, être majeur, être mobile et fournir un casier judiciaire, ça c'est un peu obligatoire. On va faire aussi, on va leur proposer une petite formation d'une journée ou deux, donc pour rappeler les gestes de premier secours et puis comment gérer des enfants qui sont dans l'urgence, qui ont un problème dans l'urgence, quoi, bien sûr. Face à un décès, face à une maladie. Avez-vous déjà des inscrits ? Oui, on a... des inscrits, pas complètement, mais on a 9 personnes qui se sont présentées, qui m'ont téléphoné. Ah, quand même. Dont au moins 2 sûrs qui sont vraiment intéressants, donc qui vont s'inscrire. Alors, on va les revoir maintenant le 5 juillet. On fait une réunion le 5 juillet avec ces bénévoles pour faire avec eux carrément la charte. Il vous manque combien de bénévoles à ce jour, Madame Dodin ? Ben, on ne peut pas dire qu'il nous manque des bénévoles, quoi. Si y a une vingtaine de bénévoles, ça sera très bien. Pour l'instant, on en a 9 qui se sont manifestés, donc c'est vraiment, on est très contents. Quels sont les secteurs géographiques où il y aura un véritable besoin ? Alors, Véry, Roumarçon, là il n'y a personne. Ditré, et puis Fontevraud, on a. Chassé, Varin, on a aussi. Oui, voilà, c'est surtout ce côté-là, là, Véry, Roumarçon. Très bien, Madame Dodin, au nom des internautes de Saumur Kiosque, merci. Au revoir, merci.